Là, il n'y a pas, il y a pas trop de vent, mais c'est l'idéal. C'est sympa. Il fait comme son père, comme le grand. Sauf que j'ai pas trop confiance encore de le laisser aller loin. Ouais, je viens juste à peine de l'avoir, donc j'ai un peu... Je préfère pour l'instant qu'il tourne, tourne là, puis le jour où je serai bien content... Je vais pas la porter, normalement le 2-4 ça porte bien, même ouais, sur des courtes unités. Mais hein. Comme c'est juste posé dessus, on sait jamais, donc... Bon bah là, d'un temps comme ça... Essaye de revenir vers là. Là, le plan d'eau est d'un calme olympien. Le plus grand risque est un poisson. Ouais. J'ai déjà connu ça, les poissons. C'est le plus grand risque qu'il peut avoir, un poisson. Mais là, la météo... Si on a ça là demain, ça va être génial. Alors normalement, on tire plus loin hein, quand on a une barre. Hein. Même beaucoup, un petit peu plus près. Et en plus, normalement, là par contre, sur le modèle, sur le petit, je l'ai réellement le câble dans l'eau. Oui. Dans celui-là, j'y arrive pas. Avec l'autre barre, elle reste tendue. Oui, oui, normalement, le câble va dans l'eau. Ouais. Il sert d'amortisseur. Donc je pense qu'il va falloir que je mette du poids. Ah, comment je suis tombé amoureux de ce truc-là. Mais je pensais pas qu'en petit... Enfin, si, je voyais ça chez les Allemands. Les Allemands, ils aiment bien les tout, faire du tout petit et faire tourner tout là-dessus. Mais moi, je me suis dit, nous, ça marche pas. C'est pas possible. Si, si, Jeff, il sait faire. Et je l'ai vu, il me fait, ah, mais si, t'inquiète pas. On va enlever un peu les trucs que t'as mis. Et le moteur d'épreuve, je t'ai pas demandé. Il va falloir que je mette une croix. Et voilà, ça retombe. Alors déjà, j'ai le grand, maintenant je vais en petit. On va bien voir le modèle un peu et plus moi, grand. Mon fils, il a son Jérémia au centième, là. Et il m'a fait cadeau du Tamiya au 350e. Je voulais le motoriser, mais il te fait pas chier avec ça. Mais si, je verrai avec Jeff. Si, pourquoi ? Je vais motoriser le Jérémy Obrégalien pour 350. C'est ça, quand il y aura les deux dans l'eau, il y aura le gros, puis il y aura le petit. Bien sûr. Bah, c'est ce qu'on devait faire en plus. Il est bien le petit Tamiya, le Jérémy Obrégalien en Tamiya. Il est à peu près grand comme ça, à peu près. Oh oui, 350e, il fait une bonne vingtaine de centimètres. Surtout l'avoir. Et son petit fil, hein. Il y a des moments, elle était presque sous l'eau, hein, quand il y a du mauvais temps. Et puis, c'est Bretagne, et elle tient. Ouais. Hein. Quand on est en Bretagne, ouais, et puis elle tient. Hein. Comment tu fais ? Comment tu arrives à le voir ? Elle voit. Ah bah j'ai le bout. L'antenne. Il va l'antenne. Il m'a dit j'ai mis un drapeau pour que je puisse le voir. Je fais attends, mais même quand il y a des vagues, je le vois pas. Il y a l'habitude, hein. Ouais, je pense que c'est une grande habitude. Je sais pas, là il est reparti sur autre chose. Bah, normalement il fait un U-boat, un tout petit U-boat normalement. Je sais pas comment il en est. Normalement il devait faire un U-boat. Ah. Oui, immédiatement. Alors il faut pas.